Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Yu-Gi-Oh! Med. Aujourd'hui, on va vous parler du stéthoscope et de l'auscultation. Et donc, le stéthoscope a été inventé par le docteur René Théophile Hyacinthe Laennec. C'est un médecin qui travaille à Paris à ce moment-là, il a grandi à Nantes, il a eu une éducation religieuse qui était très importante dans sa vie et il est extrêmement pudique. Un matin, il va, en se baladant dans Paris, il va croiser deux enfants qui jouent, ils frottent une aiguille métallique contre un tube en bois et ils écoutent le son que ça produit à la sortie. Là, il va se rendre compte que ce système permet d'amplifier le son. Et un jour, alors qu'il doit examiner une patiente, il doit l'ausculter, c'est-à-dire écouter les bruits du corps humain. Sauf qu'à cette époque, l'auscultation, c'est l'auscultation qui s'appelle immédiate, ce qu'on pratiquait à l'époque d'Hippocrate, qui consiste à coller son oreille contre la poitrine de la personne qu'on ausculte. Sauf que c'est une jeune fille et lui, il rechigne à pratiquer l'auscultation immédiate. Et il se souvient de ses deux jeunes enfants et il va alors enrouler un tube de papier, le coller une extrémité contre la poitrine de la patiente et l'autre extrémité à son oreille. Et là, il va se rendre compte qu'il entend les bruits du cœur beaucoup plus nettement. Et à partir de ce moment-là, il va travailler sur le stéthoscope qu'il va fabriquer en bois initialement, c'est lui qui le nomme ainsi. Stéthos en grec, c'est la poitrine, scopein, observer. En 1819, il va publier un traité, le traité de l'auscultation médiate, en opposition à l'auscultation immédiate, et il va décrire les différents bruits du cœur et il va corréler ses observations aux données d'autopsie. Et le stéthoscope moderne, quant à lui, a été inventé en 1961 par le docteur David Littmann, et c'est le modèle le plus utilisé de nos jours avec son double pavillon réversible. Donc, le stéthoscope, il est composé de trois parties. On va voir la lyre, cette partie-là, avec les deux tubes et les deux embouts auriculaires qui vont dans les oreilles. La tubulure, qui va conduire le son du pavillon jusqu'à la lyre. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le pavillon, c'est la partie qu'on va poser sur le corps du patient. Et qui va nous permettre de percevoir les sons. Avec d'un côté la membrane qui est plane, qui va nous permettre d'écouter les sons les plus aigus, comme le cœur ou les poumons, et de l'autre côté la cloche qui est ici percée, qui va nous permettre d'écouter les sons les plus graves, les vaisseaux du cou ou le cœur chez l'enfant. Et donc au final, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? À quoi ça nous sert d'avoir un stéthoscope? Eh bien, écouter les bruits du corps humain, principalement au niveau du cœur et des poumons, ça va nous permettre de détecter des anomalies, d'entendre des bruits qui ne sont pas les bruits physiologiques, c'est-à-dire les bruits qu'on devrait entendre normalement et nous orienter vers différentes pathologies, vers différentes maladies et guider le choix d'examens complémentaires, par exemple une radio, une prise de sang, une échographie et des traitements. Et juste un petit point de définition, l'examen clinique, c'est quand le médecin vous interroge, regarde, palpe, écoute, prend l'attention, peu importe. L'auscultation, c'est juste écouter les bruits du corps humain. Alors simplement, le cœur, c'est une pompe qui va nous permettre de faire circuler le sang dans tout l'organisme. On refera bientôt un épisode sur l'anatomie et la physiologie du cœur. Tout ce qu'il faut savoir là pour l'instant, c'est que le cœur est composé de quatre cavités, deux atriums et deux ventricules qui vont se contacter à des temps différents. Ils sont séparés par des valves et c'est la fermeture de ces valves qui produit ce fameux... Et donc l'auscultation du cœur va nous permettre de savoir différentes choses. Tout d'abord, le rythme. Est-ce que le cœur bat en rythme ou non? La fréquence cardiaque, le nombre de battements par minute. En musique, c'est le beat. Au repos, elle est normale entre 60 et 100. Et on peut placer le pavillon de notre stéthoscope à différents endroits de la poitrine, ce qui va nous permettre de mieux entendre le son de chaque valve. Et si ces valves sont modifiées, si par exemple, il y a une fuite, on peut entendre quelque chose comme ça. Ou s'il y a un rétrécissement, ça peut être lié à un vieillissement de la valve, une calcification, une infection de ces valves, on peut entendre plutôt quelque chose comme ça. Et puis concernant le système cardiovasculaire, ça peut aussi nous servir à écouter les vaisseaux, par exemple les vaisseaux carotidiens, ceux du cou, ou prendre la tension. Ensuite, concernant les poumons, on va entendre le passage de l'air dans les poumons lors de l'inspiration. Et lors de l'expiration. Et encore une fois, certaines anomalies auscultatoires peuvent nous orienter vers différentes pathologies. Par exemple, on a un œdème du poumon, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans les poumons. On va entendre ce qui s'appelle des crépitants.
qui ressemblent à des sortes de pas dans la neige. Une personne qui est asthmatique, le calibre de ses bronches va se resserrer, on va entendre des sortes de sifflements qu'on va appeler des sibilants. Et lors de certaines pathologies très graves et variées, on peut avoir un silence auscultatoire, et là on est plutôt inquiet. Et concernant le tube digestif, eh bien on peut entendre ça. Le transit, et c'est plutôt rassurant quand il est présent. Le stéthoscope fêtera ses 200 ans l'année prochaine, et le futur de cet objet pourrait bien être ça, une coque d'iPhone inventée par un jeune britannique du nom de Suman Mulumudi, ou encore ça, un stéthoscope entièrement réalisé à l'aide d'une imprimante 3D pour un coût d'environ 2,50$, ce qui est bien moins onéreux que les modèles classiques actuels, et d'aussi bonne qualité. Il a été inventé par le docteur Tarek Loubani afin de pourvoir même les pays les plus pauvres de stéthoscopes de qualité. Et on espère que ce premier épisode vous aura plu, en tout cas il a été fait avec du cœur, et en parlant de cœur, vous pouvez vous-même l'écouter à la maison. Pour ça, vous faites comme ce cher René Théophile Hyacinthe Laennec, vous munissez d'un tube en papier, en carton ou en bois, ou même d'un verre, et évidemment d'un partenaire. Vous trouverez bien évidemment les liens vers les sources et des liens pour aller plus loin dans la description. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions ou à nous corriger si on a dit des conneries. On tâchera d'y répondre dans un vlog ou en commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine.